Eh bien, cher tout Marseillais, re-re-re-re-bonjour. Une actualité malheureusement assez chargée aujourd'hui. Donc, tout est bien qui finit bien. Hein. On a eu un peu peur. Un peu peur parce que. Hop, en même temps, je me remets dans ma chaise de blogging. Hop. Un peu peur parce que. Ma foi, parce que c'est pas passé loin. Et puis là, je montais un peu les vidéos, les photos, tout ça, je regardais. Et puis je me disais, alors tiens, alors là je coupe avant que le train passe, je remets le petit rush après que le train soit passé. Et puis j'ai percuté, il y a un train qui est passé, je rigole pas. C'est-à-dire que il y a le feu il a été lancé à peu près à 10 mètres des rails, pas plus. Et puis les trains, mais, ils passaient donc à 10 mètres du feu. Et puis à un moment j'ai un petit bout de rush, je vais vous le passer. Il y a un train qui passe, un TGV qui passe, et peut-être 2 minutes après, même pas, il y a un Canadair qui lâche, alors je sais plus, je vous mettrai dans le billet, je sais plus si c'est 20 tonnes de flotte ou un truc comme ça, afin de quoi détruire un train. Et puis même les gens qui sont à l'intérieur du train, au pire, il y a une seule chose qui est. Enfin au mieux, je dirais plus, il y a une chose qui est sûre, c'est que. Ils ont eu des fumées à l'intérieur du train, c'est une évidence. Alors à moins qu'il y ait eu un appel au micro, monsieur l'usager, merci de retenir votre respiration pendant 2 minutes. Non, je pense pas qu'il ait fait. Et je trouve ça un peu scandaleux. C'est un risque énorme. Un feu, ça peut repartir instantanément. Ça peut sauter, ça pouvait coller le feu au train. J'en sais rien. Enfin, j'ai trouvé ça quand même hallucinant qu'aujourd'hui, avec tous les principes de précaution avec lesquels on nous bassine toutes les 2 secondes. Là, quand il y a le feu, le train, 5 mètres, bah non, on fait passer le train. Donc voilà, c'était pour dire, je trouvais ça quand même un petit peu bizarre. Voilà, bonne soirée, et puis à très bientôt sur toutmarseille.fr. Ciao!